les amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu le voir, encore avec ma soeur jumelle. Je lui ai concocté une idée très très spéciale. C'est que elles doivent faire mon shopping. Elles doivent? Oui. Elles doivent. Ok. Mmh. Back L. Hein. Tu m'as foutu le doute du coup, mais oui, si, ça se dit. Du coup voilà, il y a 2 jours de ça, je lui ai demandé de me faire une commande sur Asos. Donc je lui ai passé ma carte et je lui ai donné des instructions pour qu'elle me fasse mon shopping. Et je lui ai dit surprends-moi. Et elle a intérêt de me surprendre puisque je vais la noter. Aujourd'hui ça va être la Christina Cordula. Je lui ai pris des trucs de merde. Non, en vrai, du coup elle m'a fait une commande Asos. J'espère que ça va être bien. Et puis je lui ai donné un budget max. Alors qu'est-ce que je t'avais dit déjà? J'avais dit un t-shirt. Enfin genre un haut. Ouais ou deux. Ouais ou avec deux. Avec un ou deux pantalons, une paire de chaussures. Fermée. Fermée. Est-ce que j'ai pris fermée? Oui si j'ai pris fermée. une veste ou un manteau. Par contre j'ai pas pris de pull. Parce que okay. C'était hors budget. Et j'ai pris 2 ou 3 accessoires, je crois, un truc comme ça. Sachant que j'avais donné un budget de 250€ grand max, ça en est pour combien? 230. On va dire que c'est respecté. Du coup, on va tester tout ça aujourd'hui et j'espère que ça va être bien. Oh, j'ai hâte. J'ai rien vu du tout. Elle s'est démerdée toute la matinée, elle m'a trouvé des trucs et elle pétait des câbles parce qu'il n'y avait pas mes tailles. Alors, je précise quand même que j'avais fait la recherche déjà le soir, la veille. C'est vrai. Que j'avais continué le matin pour au final m'apercevoir qu'il n'y avait pas sa taille. Voilà. Donc, du coup, elle a dû tout changer. J'ai tout recommencé. J'arrive pas. Tu sais quoi? On va garder le carton fermé. Tu vas me sortir un article à la fois, ok? Si t'as envie que cette vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à nous suivre sur nos Instagram, ça nous ferait aussi super plaisir. N'hésitez pas non plus à noter tous les articles un par un dans les commentaires s'il y en a que vous aimez bien, s'il y en a que vous aimez pas. Et je noterai aussi la note, enfin la tenue finale. J'ai hâte et en même temps je me dis, putain, si mon argent est passé dans des trucs de merde. Faut avoir confiance parce que putain, moi je mettrais pas ça dans un truc. Elle m'a dit jamais j'oserais te filer ma carte de crédit pour que t'achètes des trucs genre je sais pas ce que c'est. Quoi en premier? Ce que tu veux. Surprends-moi. Alors je sais que t'aimes pas les trucs fleuris à la base, mais c'était du bleu ciel, tu m'as demandé du bleu ciel. Je vais donner des indices de couleurs, je vais donner rose, je vais donner bleu et bleu marine, blanc et noir. Et après elle pouvait choisir d'autres couleurs mais... Une couleur c'est plus vert, ouais, j'ai l'impression. J'ai très peur. Quelle est cette chose? T'as pris un haut? Non, deux. Deux? Ouais, deux. Je sais ce que tu vas dire. Mais ça ira super bien avec la tenue, donc me fais pas chier. Ok. Non, mais je vais essayer. Mais en plus, il y a du rose, alors que ça devrait... Non, mais d'accord, ok. Honnêtement, la cochonaille... Je sais que toi, tu t'aimes bien ce genre de truc. Je sais non, que mais alors, je l'ai pris parce que... il était bleu. Et puis, avec la tenue, je sais que ça peut pas... Mais il est trop petit. Mais j'ai pris taille L, hein. Non, M. M. Tu m'as dit de prendre M pour les hauts, hein. J'ai pris M. Oh non. Mais moi, j'aime bien. Attention, 3, 2, 1. Tada. Oh, moi, je trouve ça beau, le bleu, ça te va bien. Ah, vraiment, je trouve ça immonde. Pourtant, t'en mettais des trucs fleuris comme ça avant. Ouais, mais là, la couleur, franchement, en fait, le mélange de plusieurs couleurs, là, j'aime pas trop. Et je sais pas. La forme, genre je sais pas, ça je comprends pas, genre il y a un autre élastique ici, mais ça je... Oui, tu mets un pantalon en dessous. Mais j'ai un pantalon. Ou une jupe. Bon, j'avoue quand même que sur la photo ça rendait un petit peu mieux. C'est vrai. Ouais putain, mais en fait la couleur est trop belle, mais genre c'est les motifs fleuris, je suis vraiment moins en moins motifs fleuris. Vas-y, c'est pas grave, mais on va dire que... J'ai mis deux couleurs, non, trois couleurs que tu m'avais proposées, du blanc, du rouge. Mais je t'ai pas dit de mettre toutes les couleurs non plus. Mais je sais pas. Bon, c'est pour ça que du coup j'ai pris un deuxième haut. Ok. Je vais tester. Pour ce haut là, en tout cas, je vais mettre la note sur 10. Honnêtement. Franchement quoi. Je suis désolée, mais 4 là. Mais au moins 5. Bon bah 5 si tu veux pour te faire plaisir, mais là. Bon. Ah sans que tu vas être chiante. Là t'es ma soeur jumelle, tu devrais savoir. Mais je savais que ça te plairait pas les motifs fleuris, sauf que je savais que ça tirait bien avec le pantalon que j'ai pris. Bah, j'ai pris deux pantalons en fait. Surprends-moi, relook moi, donc je te donne des trucs qui sont pas forcément à ton goût. Il est pas mal. C'est un pantalon comme ça. Je sais pas si vous allez voir, un peu large, je vais le mettre et puis je vais vous montrer. Non. Non. Bah, moi j'aime bien. Admets de toi-même qu'il est pas beau. Moi j'aime bien. Coupe droite. Ah c'est bizarre. Le bas en vrai est pas mal. Bon, voilà le pantalon. Du coup là il y a un petit nœud juste ici. Coupe droite. Franchement, je sais pas. En vrai, je l'aime bien, mais c'est vrai que j'ai tellement pas l'habitude des coupes droites. Il est peut-être légèrement grand. Regarde. En vrai, le pantalon est bien. Donc, je te donnerai la note de 7 pour le pantalon.
dur hein, moi je suis hyper dur là. Bon, next. La suite. Bon, honnêtement, je me souvenais pas que j'avais pris celui-ci. C'est quoi? Un sac à main. Oh, je vais craquer. Oh. Et non, je pensais qu'il était plus grand que ça, celui-là en fait. Non, 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 mais là. Je vais faire carton plein. Là, oui. Oh, oh non. Oh non, mais Margot. On dirait que c'est un cadeau de Noël. Je te rappelle quand même que c'est pas moi qui ai payé. Hein. C'est avec tes sous. Oui, c'est vrai que c'est quand même moi qui ai payé. Attends, tu as payé combien? Non, mais il est. Oh non, mais non. Là, je suis désolée. Il est magnifique. C'est un peu en style velours là sur le devant. Ça fait une. Et derrière, c'est cuir rose. Bah, c'est bien, c'est du daim. Ouais, du daim, ah, du velours. Hein, non, le velours, c'est ce que t'as sur tes draps. Ah, rends pas fou, c'est du daim. La languette, enfin la. La lanière est grise, un peu grisée comme ça, franchement il est magnifique. Du coup voilà ce qu'il donne quand tu les portes, franchement il est magnifique. Je trouve ça trop beau. Il est magnifique, même comme ça. Ouais, je peux le porter que comme ça. Parce qu'au final là il y a des trous, il s'arrête ici. Et bon, alors pour le sac, je vais mettre la note de 9. Cool. Parce qu'il est vraiment magnifique. Le seul bémol est que moi j'aime énormément, c'est avoir une poignée. Et là du coup t'es obligé de le porter en bandoulière et la bandoulière est un peu longue. Quitte à peut-être faire des trous dessus. Mais franchement il est vraiment super beau. Là t'es trop fort là. T'es vraiment trop beau, j'en ai marre. Bien sûr. Ah non. Alors ça par contre je crois que c'est un body. Donc du coup il va falloir que tu le mettes. Que tu gardes ce pantalon là si tu veux tester avec. Et ensuite il faudra que tu testes l'autre pantalon. Pourquoi je veux pas tester avec l'autre pantalon? Si tu peux. Tu peux. Juste que je sais pas trop ce qui va aller mieux. Tu vois l'autre pantalon? J'en ai un peu de ce style là. Mais avec une encolure ici. What? Tu sais, j'avais jamais vu ton pantalon comme ça. Je sais, c'est pour ça que what? C'est un pantalon comme ça. Ah, tu me surprends là. Bah, je te dis, je te relook. What? Mais il est trop beau. C'est pour ça que je l'ai pris. Sérieux? Sur la photo, on voyait que ça. Devant, on voyait une femme qui était comme ça. Je trouvais ça trop beau. Mais non, mais il est magnifique. Mais tu sais, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Oh non, mais oh non. Je sais que t'aimes bien les trucs qui font un peu princesse. Ma douleur. Tata. Ah non mais là, I am shocked, regardez le haut. Et je m'attendais à tout sauf à ça, en fait je pensais que c'était un haut, enfin un body basique. Mais en fait il y a ça, les manches comme ça, j'ai une robe, je sais pas si vous voyez laquelle c'est. J'ai une robe que j'avais commandée pareil chez Azos et qui est en matière un peu plus velours. Et qui a les mêmes manches et franchement j'adore tellement. C'est... Oh non c'est trop beau. Et le pantalon, alors honnêtement il est super bien par contre. Il est un peu grand, donc c'est dommage. Mais je sais pas, en fait c'est pas ce qui va le mieux avec ce genre de haut. Non. Okay. Même pas du tout. Mais au final. Je suis, on voit pas trop ça non plus, mais ouais. Moi je vois. Voilà pour le haut, voilà pour le bas. Un pantalon droit aussi. Sachant qu'on peut faire des revers comme ça. Revers, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça fait pyjama. Je suis tellement pas habituée pour ce genre de. Non, avec des belles. Des beaux talons. Et même le body il est trop beau. Regardez la matière que c'est. Je sais pas si vous voyez un peu, c'est un peu strié. Alors il y a des trucs, je sais que je vais y renvoyer. Autant ça. Je crois pas. Il manque quoi là? Les chaussures, les accessoires, c'est ça? Et la veste. Ah ouais, putain. Oh, j'avais zappé. Tu veux ma mort? Bah oui, mais en même temps. Ah ouais. Tu en enlèves ma mort. Je pensais à la base que je devais lui prendre un manteau, sauf que le manteau il était plus disponible. Donc du coup, j'ai essayé d'en chercher un autre et il était pas top. Oh putain, mais alors la matière, la Margot. Comme le sac à main. Oh là 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 là. C'est bien fait Brine. Ça adapte ta taille en plus. Stradivarius. Oh, c'est comme ça en plus. Oh, trop... oh touche. Ouais, mais je c'est trop satisfaisant. Elle est magnifique la veste. Elle est magnifique. Et tu m'as pas noté du coup pour les deux autres trucs. Ah oui. Bon, le haut, je te mets bah, 10 sur 10 en fait. Je vais pas faire semblant. Voilà donc le haut, celui-là là, 10 sur 10. Le pantalon, honnêtement je mettrais... Qui te va bien. 8. La veste, bah alors justement la veste. Pendant qu'on y est, franchement. Non mais Margot, là je suis obligée de la garder. Là je suis désolée mais... Elle est trop belle. Elle est vraiment archi trop elle belle. Elle est encore en matière d'un un peu. Ouais c'est un peu matière bah, tout doux quoi. Ah ouais. Ah je suis... Oh je me fonds dans mon canapé. Là elle est comme ça, c'est un peu un style bah, veste en jean ou perfecto, un peu un mélange des deux. Je peux la fermer. Mais 10. Oh non je crois que je suis trop gentille. Mais 10. Non mais ouais mais 10 je suis désolée. Comme si, fais comme si j'étais une nana que t'aimes pas. Deux. Ah j'aime trop les vidéos comme ça, je crois qu'on... Oh la vinaigre j'ai trop envie d'en refaire. Tiens la boîte était un peu déglingue. J'ai trop envie d'en refaire. Oulala, oulala ma soeur. Alors je sais que c'est pas ton style mais j'en ai marre de te voir en basket. Elles sont trop belles. Non mais... C'est trop dommage qu'on ait pas la même taille.
Bah Margot, à quel moment tu m'as déjà vu mais des trucs comme ça? Mais je sais, mais j'en ai marre de te voir en basket tout le temps. Mais tu mets avec quoi ça? Bah avec un joli pantalon ou une belle jupe, une belle robe. Ça tu mets par-dessus le pantalon? Par-dessus le pantalon. Mais par contre, oh la matière. Je vais péter un câble. Ça avec un jean slim par contre hein. Parce qu'avec un pantalon comme ça, je suis pas sûre. Mais je m'attendais à ce qu'il soit plus slim que ça celui-là. Non. Mais regarde. Regardez ça. Ah non, c'est encore pire. Mais ça fait les chevilles trop fines. Non mais Margot, je vais pas porter ça. C'est même pas que j'ai pas envie de faire d'efforts, c'est que je connais mon style et je sais que j'arriverai jamais à les mettre. Je suis désolée Coconaille. Hein. Je sais que vous les trouvez jolies, mais moi j'arrive pas, c'est physique. Elle et moi, on se comprend pas, tu vois. Ma pauvre soeur. Franchement, pour l'esthétique, même la matière et tout, je vais te mettre 4 quand même. Et encore, je suis gentille, hein. Parce que, mais je vais même pas les mettre, tu te rends compte? Je peux pas te mettre plus. Non, je suis désolée, il faut pas avoir d'âme dans ces moments-là. Non, Margot. 5. Merci. Même 5 pour moi, c'est trop, je vous jure, là. Non. Mais elles sont belles, c'est juste que t'as pas de goût. T'es née avec le sens du goût en moi. Ils ont vraiment foiré sur les accessoires, je te jure, j'ai commandé des accessoires, ils sont pas là. Ah ouais? Oui, ils sont pas là. Donc deux trucs. Donc deux trucs. Attends, premier haut, le premier bas, le deuxième haut, le deuxième bas, bah, la veste, le sac, les chaussures. Je passe déjà ça et puis on verra après. Hein. Ah non, mais ça dégoûte. Non, elle est trop belle, je voulais m'en acheter une. Mais je sais justement, c'est pour ça que j'ai pris ça. Oh non, elle est trop belle. Oh non, Margot. Oh non. J'étais obligée de craquer, il y avait une promotion en plus dessus. Non mais vraiment, Margot, elle est magnifique, c'est exactement le genre de montre que je voulais. Elle était à... Je te jure. Elle était à 30 ou 40 au lieu de 79, je crois. Si c'est 3 ATM, c'est éclaboussure, si c'est 5 ATM, c'est douche. Magnifique. Elle est un peu... Bah un peu rosée, non? Ouais, un peu rose argenté. Des petits diamants là sur les côtés, franchement magnifique. Je suis désolée mes 10. Je suis trop gentille, mais là en fait je comprends pas ma soeur. Genre il y a des moments, je te comprends pas. Il y a des trucs tu peux faire des sans faute. Et des trucs c'est éclaté au sol. Mais tu m'as dit de te surprendre et de te relooker de la tête aux pieds. Donc moi je mets des trucs qui te correspondent pas forcément. Ouais mais quand même pas ta blonde. Tu vois ça me va bien. Et franchement là c'était oufissime. Je pense garder la veste, peut-être ce haut-là, la montre en pantalon, peut-être celui-là, mais en fait, il est trop grand. Au niveau du sac, alors en fait, le truc, c'est que c'est pas forcément un indispensable. Alors, en soi, j'ai envie de le garder. Tu sais quoi? Je vais voir. La nuit porte conseil. Et je vous dirai sur Instagram ce que j'ai gardé, ce que je n'ai pas gardé. Donc venez me suivre sur Instagram, c'est Vastalioff, c'est très très important. Il y a des prochaines vidéos que je prévois de faire avec vous, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Bref, on espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à noter les tenues en commentaire. Bon, on n'a pas fait tenue générale parce qu'au final je pense qu'il n'y avait pas tout qui allait ensemble, honnêtement. Même si c'est vrai qu'en photo on dirait pas, souvent ça ressemble pas vraiment à ce qu'on reçoit. Je peux comprendre que t'aies cru que ça allait ensemble. Parce qu'en vrai, non mais je te crois, hein, franchement je te crois. Mais du coup on va pas noter une tenue générale, mais noter juste ce que j'ai essayé. Dites-nous dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Ça t'a fait plaisir? Ouais, par contre il faut la note globale. Ah oui, la note globale. Ah mais ça te fait 8 sur 10. Je suis con, putain je pensais que c'était sur 20. Bon, du coup ça me fait une moyenne de 8,12 sur 10. Du coup ça fait une moyenne de 16 sur 20. Franchement grave propre. C'est tout pour cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo. Et puis nous on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.